Vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo. Vous avez été nombreux à vous plaindre du peu de vidéos qu'il y avait sur ma chaîne YouTube, à juste titre, hein, c'est parce que je faisais pas mal de trucs à côté. Mais si je vous disais que mon plus gros projet va sortir chaque semaine cet été sur ma chaîne YouTube, là je vous propose du contenu. Je suis fier de vous annoncer qu'à partir de ce jeudi, sur ma chaîne YouTube, je sors mon dessin animé, l'épopée temporelle. Chaque jeudi à 16h, vous verrez un nouvel épisode sur ma chaîne. Il y a 10 épisodes en tout, donc c'est la première saison. Donc là, vous sortez votre agenda et vous notez jeudi 16h, l'épopée temporelle. Je m'en fous, je vérifie, ok? Vous m'envoyez une photo sur Twitter, Insta. C'est important, on note, je compte sur vous. Pour ceux qui savent pas, c'est un dessin animé qui est adapté de ma série audio et qui a été entièrement refaite pour le dessin animé, c'est-à-dire remixé, etc. Et puis bien évidemment, les images, hein, c'est le plus important. Il y a quoi dans l'épopée temporelle? Il y a de l'action. Samouraï, retuez l'action! Des énigmes. Et il y avait des flèches empoisonnées qui sortaient des murs. De l'amour. Qui veut mon corps? C'est toi, ma coquine. De magnifiques guests. Qu'ai-je entendu? Une chanson? Je passe juste un coup de plumeau, rien de plus. Et il y a quelques morts. Bien. On peut dire que c'est un dessin animé pour les jeunes adultes, les ados, c'est un peu trash. Je vais être honnête, j'ai mis toute mon énergie dans ce dessin animé, puisque je l'ai produit, réalisé, financé. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et surtout, j'étais très bien entouré, parce que j'avais une équipe incroyable que j'aimerais vraiment remercier. C'est simple, vous verrez leur nom dans le générique à la fin de chaque épisode. Vous pourrez les applaudir à ce moment-là. Ils vont pas l'entendre, mais les ondes, elles passent, je suis sûr, ça va les faire kiffer. C'était un gros kiff de bosser avec eux. J'aurais adoré voir toute l'équipe chaque jour, mais c'est pas possible, on l'a fait en télétravail. La production juste du dessin animé a duré un an. Du design des personnages jusqu'à l'export final, il a fallu un an. C'est pour ça que j'ai fait un peu moins de vidéos sur ma chaîne YouTube. Entre autres, il y a aussi d'autres projets dont je vous parlerai bientôt. Et ça va être enfin disponible pour vous. La série est déjà diffusée sur Adult Swim depuis avril. Adult Swim, c'est le diffuseur qui est à l'origine de Rick et Morty, par exemple. Rien que ça. Et on réfléchit à la suite, mais je peux pas trop en dire. Je croise les doigts. C'est un moment important sur ma chaîne YouTube puisque c'est mon plus gros projet. C'est 10 épisodes de presque 10 minutes. Ça m'a pris énormément de temps, beaucoup d'argent également. Et j'espère que vous ferez un accueil chaleureux, que vous partagerez le lien. Ça me ferait plaisir. Il y a également des vidéos classiques en préparation pour ma chaîne YouTube, comme d'habitude, ça bouge pas. Et cette série, c'est quand même peut-être ma plus grande fierté. Il y a même une affiche, voilà. Je suis trop fier. Je suis un gamin. Maintenant, cette vidéo va disparaître, mais vous avez noté dans votre agenda, jeudi 16h, l'épopée temporelle. Je compte sur vous. Puis, à travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. C'est l'épopée temporelle. À très vite sur YouTube.